je vais vous parler ce soir de l'autosacrifice. Autosacrifice, ça veut dire sacrifice de soi, et on est tenté de penser qu'il s'agit d'un suicide. C'était un rite, une coutume qui était extrêmement répandue en Mésoamérique, et heureusement il ne s'agissait pas d'un suicide, parce que sans ça, cette civilisation aurait entièrement disparu. Alors ce qu'on entend par autosacrifice, c'est une saignée rituelle, plus ou moins douloureuse, qui est exercée sur soi. Et donc, en aucun cas, cette saignée ne devait entraîner la mort. Alors, il est vrai que dans presque toutes les religions, on retrouve cette coutume. Elles ont recours à des mortifications, à des macérations, sous forme de privation ou alors de torture, on peut le dire, douloureuse et sanglante. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Qu'elle soit collective, comme les processions de flagellants, ou individuelles, comme celles qui sont pratiquées par les mystiques ou les dévots, ces pratiques ont lieu périodiquement ou seulement en certaines occasions. Selon les cultures, on se sacrifie en signe de deuil, qu'il soit récent ou qu'il s'agisse d'un anniversaire. On peut se sacrifier aussi en accomplissement d'un vœu ou d'une pénitence. On peut aussi chercher à obtenir des visions, ou simplement se purifier, comme avec le jeûne et l'abstinence. En dépit de son universalité apparente, le sacrifice de soi n'a pris nulle part au monde des formes aussi violentes, douloureuses et sanglantes, n'a été plus répandu et fréquent qu'en Mésoamérique précolombienne. Cependant, à la différence du sacrifice humain sur lequel les livres et les articles sont légion, l'autosacrifice en Mésoamérique n'a jamais fait l'objet d'une étude en profondeur. Et c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années et dont un livre est sorti l'année dernière. Alors, rappelons que la Mésoamérique, en voici une carte, est une ère de haute civilisation, vous voyez, qui comprend tout le sud du Mexique, ici, y compris la péninsule de Yucatan, le Guatemala, le Belize, une petite partie du Honduras, et du Salvador. C'est une ère de haute civilisation qui réunissait des populations d'agriculteurs sédentaires, de langues et d'origines diverses, et qui étaient parvenus dans ces régions à des époques différentes. Mais malgré leur diversité d'origine, ces peuples se sont partagés, au cours de l'histoire, un certain nombre de traits culturels, surtout dans les domaines intellectuels, artistiques et religieux. Ainsi, les sociétés mésoaméricaines utilisaient les mêmes calendriers, disposaient d'écritures plus ou moins développées, se partageaient la même cosmologie, et tenait pour essentiel le sacrifice humain et l'autosacrifice dans leur religion. Bien que nos sources soient à la fois variées et disparates,
selon les régions et les cultures, elle confirme cette pratique dans l'ensemble de la Mésoamérique, et ceci depuis les tout débuts de la formation de cette grande ère culturelle, c'est-à-dire aux alentours de 2000 avant notre ère. Plusieurs disciplines sont concernées dans l'étude de cette pratique. L'archéologie, par exemple, qui contribue à la connaissance de la saignée rituelle avec la découverte d'instruments ou de réceptacles pour le sang dans les dépôts cérémoniels et parfois même dans des sépultures. On peut obtenir beaucoup d'informations à partir des images sculptées ou peintes, de l'exécution et de la présentation des résultats de ce rite. Mais il y a une certaine disparité selon les cultures. Par exemple, ces images sont peu nombreuses chez les Mayas, un peu plus fréquentes dans les manuscrits pictographiques appelés codex du Mexique central. Par contre, les représentations d'instruments du supplice, de symboles et d'allégories de l'autosacrifice sont nombreuses. C'est-à-dire qu'il y a peu de représentations directes de ce rite, mais il y a beaucoup d'allusions et d'allégories. Il y a deux sortes principales d'allégories. Je vous en présente une ici, qui est, il s'agit bien entendu d'une allégorie et non pas d'une pratique qui se faisait. C'est un individu qui pratique l'autonucléation, c'est-à-dire à l'aide d'un os pointu, il se fait sauter un œil. Vous avez la représentation de ce personnage ici, et dans un autre manuscrit, vous avez la même scène qui est présentée là. Vous voyez que le personnage est peu vêtu, juste d'un pagne. Il est entouré ici d'une corde, qui est symbole de sacrifice. Et là, se trouvent des yeux qui sont des représentations d'étoiles pour indiquer que l'autosacrifice se pratiquait plus volontiers de nuit. Et vous avez enfin les armes de l'autosacrifice, ces pointes et ces os qui se trouvent en rayonnant autour de cette bulle où se trouve l'autosacrifié. Et l'autre allégorie de ce rite, c'est l'autodécapitation qui existe autant chez les Mayas. Mais encore une fois, ce n'est qu'une allégorie, c'est une image. Vous avez ce personnage qui se tient par les cheveux, comme et ceci est le rite, enfin le geste symbolique et usuel de la capture. Il se tient ici par les cheveux et de l'autre main, il tient une hache et avec cette hache, il est censé s'auto décapité. Dans plusieurs cultures, on a déchiffré des glyphes ou des signes se référant à l'autosacrifice. On a ici, par exemple, un glyphe qui vient de la grande métropole de Teotihuacan, où vous avez une pointe qui est une épine d'agave qui est plantée dans une sorte de natte. Vous avez ici un composé glyphique aztèque avec
pour désigner le nom d'un village qui s'appelle Ouistlan et qui est composé d'une épine d'autosacrifice ici pour la syllabe Wis et Tlan, ce sont deux dents qui se combinent à ce signe parce que Tlan veut dire les dents et donc on a Ouistlan, le nom de ce village. Chez les Mayas, par contre, on a, vous voyez, ces trois signes montrent en fait le sexe masculin, ici, un pénis, avec ici trois bandes nouées qui sont un symbole de sacrifice. Il y a un autre signe, un glyphe maya, que je montre ici, qui est compris dans une phrase, et que l'on retrouve dans un bol qui est présenté par une reine, que nous verrons tout à l'heure, qui offre les résultats de l'autosacrifice sous forme de bandes de papier tachées du sang de cette pratique, et on a mis dedans pour... éviter toute imprécision, le glyphe de l'autosacrifice que vous retrouvez ici. Alors, les premières évidences de ce rite sanglant et douloureux vient d'un site maya qui s'appelle San Bartolo et qui se trouve au Guatemala. Et ce sont des peintures murales d'un petit temple qui date du 1er siècle avant notre ère. Et on y voit ici un personnage qui est armé d'une longue baguette, et vous voyez, qui se transperce le sexe, en sort une grande quantité de sang, et vous voyez que dans le dos, il a un cerf qui est attaché et qui, dans la scène suivante, va être déposé sur un autel devant un arbre cosmique sur lequel se tient un oiseau qui représente le soleil. On a donc sur cette image l'intéressante association de l'autosacrifice et d'un sacrifice animal, en l'espèce un cerf. Nous verrons qu'il y a des relations entre le sacrifice humain et l'autosacrifice, mais ici, primitivement, le sacrifice humain n'est pas représenté, et ce que nous avons sous les yeux, c'est un sacrifice animal. Alors, qui se mortifiait, où et quand? En Mésoamérique, tout être humain, depuis le nouveau-né anonyme jusqu'au roi, avait vocation à se sacrifier. Le rite était collectif pendant les fêtes religieuses ou dans certaines circonstances exceptionnelles, par exemple lors d'une sévère sécheresse ou lors d'une éclipse. Mais le sacrifice pouvait être aussi individuel, c'est-à-dire que pour assurer le succès d'une entreprise, par exemple avant d'aller à la chasse ou avant d'aller en voyage, un individu se sacrifiait. Et dans certaines fêtes aztèques, même les bébés devaient verser leur sang et leur maman les aidait en incisant le lobe d'oreille. La fréquence et la sévérité de ces macérations étaient fonction du rang social, mais aussi de la volonté et de la piété de chacun.
Parmi les sites mayas classiques, Yaxchilán au Chiapas est unique pour ses linteaux de pierre qui illustrent l'auto-sacrifice. Vous avez ici un linteau qui a été dessiné et vous voyez à gauche la reine qui fait passer une cordelette à travers la langue, à travers sa langue, et devant elle, parce qu'elle est agenouillée, devant elle se trouve un bol sur lequel sont on retrouve la corde dont elle s'est servie ou dont elle se sert et des rubans tachés de sang. Et de l'autre côté est assis le roi avec un stylet, et ce stylet avait sans doute été utilisé pour percer la langue de la reine avant qu'elle puisse y faire passer cette cordelette. Sur ce panneau d'un temple de Palenque, on voit ici le roi qui est habillé, qui a revêtu le costume et les attributs d'un captif. Ses ornements d'oreilles en jade ont été remplacés par des rubans de papier. Sa coiffure est défaite et nouée au bout. Il porte des brassards qui sont parfois de corde, mais ici de ruban. Vous voyez qu'il tient à la main une bannière qui est percée de trous et le tissu qui a été découpé est ici pendant. Il a un tissu ici qui est découpé et il tient dans sa main gauche et il brandit orgueilleusement un faisceau de baguettes qu'il utilisera dans l'autosacrifice pour se faire passer à travers les chairs, soit de sa langue, soit plus probablement de son pénis. Et vous voyez que fiché dans sa coiffure se trouve un os pointu qui l'aide à faire la première perforation. On a maintenant un vase, également maya, où vous avez deux personnages. C'est une représentation unique, c'est extrêmement rare que, comme je vous l'ai dit, que ce rite soit directement dépeint. Vous avez ici un individu debout qui fait passer par sa langue une cordelette et un autre qui pique, qui mutile son sexe avec une pointe. En action de grâce, après une victoire militaire, les dames de la cour du site de Bonampak, qui sont réunies ici sur un trône, également se font passer la fameuse cordelette à travers la langue. Et cette scène nous montre quelques détails intéressants, comme par exemple ce personnage qui est à genoux, qui tient une pointe ou un stylet. Cet autre personnage tient également une pointe et la présente à cette femme qui est assise et qui tourne la tête vers lui et qui tient un enfant. Et enfin, ici, ce qu'il faut remarquer, c'est un encensoir garni de pointes, comme les encensoirs mayas le sont souvent, dans lequel il y a des papiers, ces papiers qui ont été ensanglantés par cette opération, que l'on met dans un encensoir et que l'on fait brûler. Et ainsi, vous voyez, la fumée qui est ici indiquée montre que les résultats de l'autosacrifice vont monter vers le ciel.
Avant de sacrifier leurs prisonniers, vous savez que le sacrifice humain était très répandu autant dans tous les peuples mésoaméricains. C'était pas des sociétés très rigolotes. Et ils obtenaient la majorité de leurs victimes par des guerres. Et ils faisaient... La guerre avait essentiellement pour but de faire des captifs, parce que ces captifs étaient ensuite ramenés dans les villes et sacrifiés. Mais avant de sacrifier leurs prisonniers, qu'ils pouvaient sacrifier soit en faisant une incision sur la poitrine et en leur arrachant le cœur, soit en les décapitant, pour ne pas être en reste, ils torturaient leurs prisonniers. Non pas pour obtenir des informations, comme nous faisons hélas bien souvent, mais comme acte religieux, ils exigeaient que leurs prisonniers souffrent et donnent leur sang avant de donner leur vie. Et cette peinture murale, bon, qui est ici en dessin noir et blanc, est intéressante parce qu'elle nous montre divers prisonniers, vous voyez, qui élèvent vers le roi vainqueur un regard suppliant et qui présentent leurs mains ensanglantées. On le voit également ici, on le voit également là, et même ici, manifestement, ce corps est celui d'un mort, et vous voyez qu'à l'extrémité de ses doigts, il y a des gouttes de sang. Et sans doute, les prisonniers devaient eux-mêmes se sacrifier, car nous en avons un ici, vous voyez la différence entre ces personnages qui sont à peu près nus, qui n'ont gardé qu'un pagne par rapport à la richesse des costumes de leur vainqueur. Et vous voyez que ce personnage ici tient dans la main un stylet, et sans doute ce stylet était destiné à la torture de ses compagnons. Ici nous avons un panneau maya qui nous présente le roi de Yaxchilan qui est sur un trône, et ici on le sait par les inscriptions qui ici sont bien déchiffrées, et l'on a ici le capitaine d'une exposition qui présente au roi les captifs qui l'a ramené au centre. Et donc, encore une fois, les captifs sont chargés de cordes, leurs ornements d'oreilles sont remplacés par des rubans de papier. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le premier captif, qui est nommé ici, tient dans la main le faisceau de baguette que je vous avais montré tout à l'heure sur un panneau de Palenque. Passons maintenant aux Aztèques. Les Mayas se trouvent dans le sud du Mexique, et la civilisation Maya a commencé peu au début de notre ère, et la grande période des Mayas a été entre 600 et 900 de notre ère, et bien entendu leur civilisation a disparu avec la conquête espagnole au XVIe siècle. Par contre, les Aztèques, qui sont l'autre peuple le plus connu de la Mésoamérique,
et ont constitué une civilisation tardive qui a été également fauchée par la conquête européenne, mais après n'avoir existé que 150 ans. Alors, ce que nous avons sous les yeux, c'est une pierre d'inauguration du grand temple de Tenochtitlan, qui était le nom de la ville aztèque avant l'arrivée du Mexico, mais qui se trouve sous la ville actuelle de Mexico, c'est-à-dire au même endroit. Nous avons une scène de sacrifice qui est figurée par deux rois. Vous voyez, il y a deux personnages ici qui sont debout, et l'un d'eux, je prends les deux personnages sont dans une situation symétrique. Vous avez ici l'un d'eux dont vous voyez la main qui tient son oreille, et l'autre main qui se trouve ici tient un os pointu. Il se perce l'oreille. Et c'est exactement la même chose que nous avons là. Signalons au passage que ici, il y a un petit personnage qui donne le nom de ce roi, Ahuitzot, et ici, vous avez une jambe humaine qui est le glyphe du nom de cet autre roi. Alors, issu du sacrifice de l'oreille, vous avez ici un flot de sang qui descend, vous suivez ma flèche, il arrive jusqu'ici, il descend là, et il se trouve finir dans la bouche du monstre terrestre sur lequel se tiennent les individus. Vous voyez, toute cette bande représente la Terre, et ici, il y a les deux yeux de ce monstre avec sa bouche grande ouverte, avec ses dents qui se trouvent ici. Au-dessus se trouvent deux encensoirs, avec ici le glyphe de la fumée. C'est les encensoirs qui ressemblent un peu à des casseroles, parce que au rite de l'autosacrifice était souvent mélangé l'encensement. Et entre ces deux personnages se trouve ici une boule d'herbe, que j'ai représenté ici sur ce dessin, et dans lequel sont fichées les épines de l'autosacrifice. Et ici, ce glyphe représente la date d'inauguration du grand temple. Les dieux se sacrifiaient également, pas seulement les rois et les reines, mais également les dieux. Ici, on a un pectoral en coquille qui fait une vingtaine de centimètres de hauteur, sur lequel vous avez deux personnages qui se regardent, et dont j'ai extrait ici le personnage de gauche, qui est un dieu du nom de Mishkoat. C'est un patron des chasseurs, et vous voyez que de la main droite, il tient son pénis et il y fait passer une grande baguette souple ici, et le sang coule le long de cette baguette pour finir dans un bol. Et la déesse qui lui fait face, du nom de Celtéote, tient deux javelots, et l'union de la personne qui s'autosacrifice et d'une personne guerrière montre que autosacrifice et guerre et sacrifice humain étaient étroitement liés. Alors, il y avait des gens qui se sacrifiaient tout le temps, c'était les prêtres. Alors, chez les Aztèques, il y avait deux sortes de prêtres. Il y avait les prêtres comme les prêtres ordonnés, si vous voulez, et qui étaient accompagnés d'acolytes.
Et les prêtres importants portaient les cheveux très longs, qu'ils ne se coupaient pas. Et comme ils se faisaient saigner souvent, leurs cheveux étaient collés de sang. Et les Espagnols étaient horrifiés par l'odeur et par la vue de ces personnages. Et vous avez ici un petit dessin aztèque d'un prêtre qui est en train de parler. Il a la volute de la parole, là. Et vous pouvez noter sa longue chevelure et cette tache rouge qui figure souvent dans les manuscrits pour identifier les prêtres. Alors, les autres personnes s'auto-sacrifiaient suivant les fêtes où on leur demandait de le faire, ou aussi par piété personnelle. C'est assez curieux de voir que dans une société finalement très totalitaire, eh bien, le choix du supplice était réservé aux pénitents qui pouvaient prendre des formes extrêmes et très douloureuses, ou alors ils pouvaient se contenter de se faire saigner le bout de l'oreille, ce qui, comme chacun sait, n'est pas très douloureux. Mais ces prêtres aztèques, là dont vous avez un exemple, tiraient un grand orgueil de leurs longs cheveux et ensanglantés et collés par le sang de l'autosacrifice. Alors, nous avons vu qui se sacrifiait, où et quand, plus ou moins. Maintenant, passons aux parties du corps. Vous pouvez remarquer qu'il s'agit véritablement d'un rite religieux parce qu'il est extrêmement codifié. On ne fait pas n'importe quoi. Et vous allez le voir. Alors, on pouvait théoriquement saigner n'importe quelle partie de son corps, mais trois d'entre elles étaient privilégiées. On les a déjà évoquées, c'est-à-dire les oreilles, la langue et enfin le pénis. Alors, le choix d'une de ces parties du corps favorisées par les mésoaméricains, vous n'êtes pas encore parti horrifié par tout ce que je vous raconte. C'est gentil. Mais vous allez voir, les développements sont intéressants, mais il est intéressant également de bien décrire ce rite, parce que ça n'a pas été fait et c'est véritablement quelque chose dans l'histoire humaine que l'on peut dire d'unique. J'attire votre attention là-dessus. Alors, le choix d'une partie du corps ou de ces parties du corps dépendait de quatre variables. D'abord, la quantité de sang que l'on désirait verser, la douleur que l'on voulait éprouver et la valeur symbolique attachée à certaines parties comme le sang, le pénis et la langue. Et enfin, comme je vous l'ai signalé, la piété personnelle. Et sacrifier son pénis était l'autosacrifice par excellence, et chez les Mayas recevait une sorte de culte. Là, vous avez un extrait d'un relief qui se trouve dans le site de Chichen Itza, où vous avez un haut personnage, d'après sa coiffure importante, qui a le bas du corps dénudé, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est pour se sacrifier. Et devant lui, il y a un phallus monumental dont la caractéristique, c'est qu'il est percé de baguettes que vous voyez là. Et dans un site proche, à Uxmal, il y a des représentations de captifs qui
qui portent sur leur sexe ces fameuses baguettes. Mais plus intéressant encore, au site même d'Uxmal, on a retrouvé deux céphalus monumentaux, c'est-à-dire qui font entre 50 et 70 cm de haut, vous voyez, qui sont très réalistes, avec glands, freins, etc. Et ici, ils sont perforés. Et donc, on peut supposer qu'il y avait une cérémonie où l'on rejouait l'autosacrifice en faisant passer une corde ou des baguettes par cette perforation. Alors maintenant, quels sont les instruments qui étaient utilisés ? Encore une fois, on ne pouvait pas utiliser n'importe quoi. Alors, dans la partie orientale de la Mésoamérique, où les principales civilisations sont celles des Olmèques, des Apothèques et des Mayas, l'instrument de prédilection, c'était l'aiguillon de raie que ce poisson cache dans sa queue. Et ici, vous avez un des plus anciens qui a été trouvé, et qui est d'une dizaine de centimètres de long, mais certains aiguillons vont jusqu'à 20 centimètres. Et vous voyez que l'intérêt de cet objet, c'est d'être barbelé sur ses deux côtés, et donc provoquer à la fois douleur et saignement. Et très tôt, les Olmèques, vers 1000 avant notre ère, ont fabriqué en jade des copies d'autosacrifice. Ici, vous avez le manche d'un poinçon, malheureusement cassé, mais là, c'est une copie en jade de l'autosacrifice, et vous pouvez voir qu'il y a indiqué des barbelures de chaque côté. Voici une peinture qui vient de Teotihuacan, une peinture murale, où vous avez ici un prêtre, et de part et d'autre, vous avez ce que je vous avais montré comme glyphe, c'est-à-dire une sorte de natte ou un paquet d'herbes tressées avec des épines d'agave qui ont servi au supplice. Et en effet, dans la partie occidentale de la Mésoamérique, qui comprend surtout des hautes terres, et notamment où les Aztèques et d'autres sociétés se sont développées, ce n'était pas l'aiguillon de raie, l'instrument de prédilection, mais c'était l'épine d'agave. Vous savez que l'agave a de grandes feuilles très dures qui se terminent dans une pointe extrêmement dure et extrêmement piquante. Et alors on découpait une partie de cette feuille pour laisser sur un côté des épines. Et vous voyez que l'extrémité de l'épine est ici peinte en noir pour dire que c'est véritablement l'épine sanglante que l'on a plantée dans cette natte. Alors, parfois, les très grands personnages et les rois, en tout cas, utilisaient des poinçons en os. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ces poinçons n'étaient pas faits en n'importe quel os. Ils devaient être faits soit en os de félin, de jaguar ou de puma, soit en os d'aigle.
Et le jaguar et l'aigle sont les deux animaux symboliques les plus intéressants, les plus importants en Mésoamérique, puisqu'ils représentent deux aspects solaires. Le jaguar, c'est le soleil nocturne qui traverse la terre pendant la nuit, et l'aigle, c'est le soleil de jour. Et donc existait la croyance, pour les Aztèques en tout cas, que si l'on se servait d'un os de jaguar, le pénitent, ou le patient, comme vous voulez, héritait des qualités de cet animal. C'est un peu comme s'il se faisait une piqûre. C'est-à-dire, non seulement il allait donner son sang et faire un rite tout à fait méritoire, mais en plus, comme compensation, il allait hériter des qualités de l'aigle ou des qualités du jaguar. Il y a même un cas, on a retrouvé un os taillé dans un os humain, et chez les Mayas, et il y a une inscription sur l'os qui dit que cet os appartenait au grand-père du roi qui s'en servait, et donc cet homme pensait pouvoir hériter des qualités de son aïeul quand il pratiquait l'auto-sacrifice. C'était la même chose, l'agave chez les Aztèques et chez d'autres peuples comme les Zapotèques était presque aussi important symboliquement que le maïs. Et donc également quand les gens utilisaient une épine d'agave, ils se référaient à un domaine de fertilité et de vie, pourrait-on dire. Et la même chose pour l'aiguillon de raie, il n'y avait pas de symbole de fertilité plus important pour un Maya que la mer, où c'était une réserve d'eau infinie. Et donc, utiliser un instrument d'origine marine était extrêmement gratifiant. Également, je dis que les instruments étaient très importants, d'autant que les Mayas, en tout cas, l'ont personnalisé. Vous voyez ici, c'est un esprit qui s'accroche dans un monument et qui tient dans le creux de son bras ici l'extrémité d'un instrument pointu et qui est couronné ici par une figure plus ou moins reptilienne. Vous avez l'œil qui est ici. Ici, c'est le museau. Là, vous avez les ornements d'oreilles, trois bandes nouées sur le front et le tout se terminant par un panache. Et donc, sans qu'on puisse dire que l'instrument était sacralisé, bon, il était en tout cas sacré et il était présenté comme une créature douée d'une certaine autonomie, peut-on dire, et qui, encore une fois, communiquait aux pénitents certaines vertus. Et dans une fouille relativement récente, on a trouvé dans une tombe un personnage important accompagné de cet objet. Vous voyez, c'est une espèce de tête ici avec un œil. Bon, c'est un peu cassé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se continue ici par un aiguillon et que ces aiguillons étaient amovibles, c'est-à-dire qu'on pouvait les visser à l'intérieur dans cette tête. Et le chercheur qui a publié cette trouvaille
nous montre en regard de cet objet une lancette personnifiée qui vient d'un site maya également, où nous retrouvons ce museau ici en crochet et la pointe qui servait dans l'auto-sacrifice. Vous avez une autre image de l'instrument de l'autosacrifice et de l'autosacrifice lui-même, c'est le colibri. Ce petit oiseau charmant avait été remarqué par les Aztèques par son bec extrêmement pointu et d'ailleurs qui est appelé huitz, comme le mot qui désigne l'épine. Et c'est pour ça que non seulement les Aztèques, mais bien avant eux les Olmèques, ont fabriqué en jade des poinçons représentant cet oiseau. Voilà l'œil et une petite aile. Et ici, on a l'œil et l'aile et la queue de l'oiseau. La métaphore du colibri se retrouve dans ce petit bol où l'on peut croire que l'on y avait déposé du sang. Et vous voyez que le colibri est représenté ici, perché sur le bord de ce bol, prêt à goûter du précieux breuvage. L'autosacrifice comportait deux moments, c'est-à-dire il y avait l'exécution du rite, la saignée proprement dite, et ensuite la présentation des résultats. Ici j'ai mis l'un à côté de l'autre deux linteaux de ce site maya de Yaxchilán où l'autosacrifice est particulièrement bien représenté, et vous avez à gauche la reine, toujours elle, qui se fait passer une cordelette à travers la langue, avec ici le panier qui reçoit son sang, les papiers tachés. Et devant elle se trouve le roi qui tient une longue torche, parce que le sacrifice de son épouse a lieu la nuit. Ici, vous avez le glyphe de l'autosacrifice, que l'on retrouve par deux fois dans l'inscription. Et sur cet autre linteau, scène complètement différente, nous avons la reine qui est agenouillée et qui tient dans un bol les papiers tachés et certains instruments. Notamment ici, vous avez un aiguillon de raie. Et devant elle, se dresse un serpent qui ouvre la gueule sur ce guerrier que l'on suppose être un ancêtre, et l'on ne sait pas exactement si il s'agit, si cet ancêtre est simplement le témoin de l'autosacrifice de la reine ou son bénéficiaire. Quoi qu'il en soit, on a ici les deux moments de l'autosacrifice, exécution et présentation. Les Aztèques avaient des récipients qui étaient spécialement conçus pour recevoir les résultats de l'autosacrifice. On a ici sur un manuscrit une image intéressante montrant le récipient en coupe, n'est-ce pas ? Vous avez ici, c'était sans doute en basalte. Ici, ce que vous avez en rouge, c'est le sang qui y a été déposé. Ici, ce sont des végétaux qui étaient destinés à recevoir le sang. Et là, ce sont
des instruments d'autosacrifice. Et pour bien montrer que la scène était associée aux idées de mort et de sacrifice, on a ici représenté un crâne qui a une pointe, une sagaie dans la bouche. Voilà encore des scènes joyeuses nous présentant l'autosacrifice de prêtres dans un manuscrit aztèque. Vous voyez que dans une main, il tient un faisceau de baguettes et dans l'autre, il se fait passer une baguette ici à travers l'oreille, ici à travers la langue. Et cette troisième vignette vous présente un prêtre là habillé avec son costume habituel, ses cheveux longs, et il tient deux épines qui ont servi pour les présenter sur des aiguilles de pin ou fichées dans une boule d'herbe tressée. Les dépôts cérémoniels des Mayas, que l'on appelle souvent cache, étaient associés à l'érection de monuments ou à de nouvelles constructions. Et ces dépôts contiennent souvent des preuves d'autosacrifice. Par exemple, ici, c'est un dépôt que nous avons trouvé dans un site du Chiapas au Mexique qui s'appelle Tonina et où vous voyez parmi tous ces objets la part que pouvait prendre l'autosacrifice. On sait que dans ces valves de spondyle était recueilli le sang. Nous avons ici trois lamelles retouché en obsidienne. Nous avons ici deux aiguillons de raie et là nous avons trois dents de requins fossiles qui ont l'avantage, si j'ose dire, comme les aiguillons de raie, d'être barbelés sur leur côté. À qui maintenant ces sacrifices étaient-ils destinés? Eh bien, nous avons ici une page du Codex Borgia, qui est un manuscrit qui est très bien illustré, et qui montre deux personnages ici, un que l'on appelle le Quetzalcoatl noir, et l'autre, c'est une future victime d'un sacrifice humain qui est représenté dans l'image au-dessous. Et vous voyez que ces deux personnages percent leur pénis avec un os pointu et que le flot de sang, ici, se dirige directement dans la bouche de deux divinités qui se trouve au-dessus. Notez qu'en outre, il y a des épines d'autosacrifice ces deux personnages, ces deux pénitents, auront sous la main. Donc, ces deux bénéficiaires sont les dieux créateurs du panthéon aztèque. Sur un autre de ces manuscrits, qui est un manuscrit maya, qui se trouve aujourd'hui à Madrid, on a quatre divinités, dont une femme, ici, qui se font percer l'oreille avec une épine. Et vous voyez que est indiqué faiblement, mais est indiqué cependant, le sang qui coule. Et là, il coule sur des cosses de cacao. Et les cosses de cacao étaient chez les Mayas et chez tous les Mésoaméricains,
un cultigène très apprécié, dont la boisson était uniquement réservée aux nobles, et c'était un peu un symbole de richesse, et il a servi longtemps d'ailleurs de monnaie. Donc on peut voir ici que l'épanchement de sang sur des causes de cacao est une nette manifestation de rites de fertilité. Mais ceci dit, à part ces exemples, bon, on en connaît d'autres, mais la règle générale, c'est que le bénéficiaire désigné du rite n'était pas indiqué. C'est-à-dire qu'on voit des gens s'auto-sacrifier et on ne sait pas pourquoi ils le font. Donc, nous allons pouvoir maintenant nous interroger pourquoi l'auto-sacrifice, pourquoi ce rite tellement sanglant et barbare, à quel besoin répondait-il ? La solution nous est donnée par une très importante fête aztèque qui est consacrée aux guerriers et qui est appelée, ça ne va pas vous étonner, on est toujours dans l'horreur, l'écorchement des hommes. On y sacrifie de nombreux ennemis que l'on écorche ensuite pour revêtir de leur peau des guerriers aztèques volontaires. Vous avez ici une petite figurine d'une quinzaine, vingtaine de centimètres de hauteur qui est assis sur un banc et vous voyez qu'il est vêtu d'un costume qui est extrêmement irrégulier et qui en fait désigne la peau écorchée de son ennemi et l'écorchement comprenait également le visage. Et donc sur cette figurine, le visage qui est ici est amovible, vous pouvez le retirer et le visage du porteur apparaît derrière. Alors, l'apogée, c'est une description de cette fête, l'écorchement des hommes, dont les principaux épisodes ont été dessinés vers 1560, c'est-à-dire sur un manuscrit postérieur de 40 ans à la conquête. Alors vous avez ici un corps, évidemment, mort. Enfin, vous avez ici des scènes de sacrifice. Ce personnage ici, on lui a arraché le cœur. Et une fois ici, une fois qu'il est là, quatre autres personnes vont tirer sur sa peau pour retirer la peau. Bon, aussi, occupe une grande partie de la fête. Mais l'apogée de la fête, c'est ce qu'on appelle le sacrifice gladiateur. Alors, ceci consiste à prendre un captif que l'on suppose valeureux, très courageux, et on l'installe sur une grande pierre ronde, comme une meule, et on attache sa taille par une corde qui va retrouver le centre de la pierre. Donc il est entravé et il ne peut pas s'échapper de cette pierre. Et on lui donne des armes, mais des armes factices. Il a un bouclier qui ne vaut rien et on lui donne un morceau de bois à la place de sabre. Et face à lui, vous avez ici un guerrier aztèque qui est habillé en aigle et qui, lui, a un bouclier normal et un sabre très efficace fait d'une lame de bois sur laquelle
on a inséré des petites lames d'obsidienne. Et vous avez un autre de ces combattants qui se trouve là, et lui qui est habillé en jaguar. Donc ce personnage, on lui demande de danser sur cette pierre et de jouer le jeu, c'est-à-dire de faire comme si il était un combattant bien armé et qu'il luttait contre ses adversaires. Évidemment, il ne tient pas longtemps, même s'il joue le jeu, et l'un de ses opposants va le blesser. Et au premier sang, on arrête la danse, on se saisit de ce personnage, de cette victime, et on l'écorche et on confie sa peau à un porteur qui va porter la peau pendant 20 jours. Et les Espagnols, qui pourtant n'étaient pas très propres sur eux, se plaignaient beaucoup de la puanteur et de l'aspect de ces peaux. Mais alors pourquoi cette histoire d'écorchement? Eh bien, en fait, on peut interpréter tout ce rituel comme destiné à abolir l'antagonisme des guerriers aztèques et de leurs ennemis. Ces derniers participent aux mêmes danses, aux mêmes veillées, sous les mêmes costumes que leurs vainqueurs, qui en plus revêtent leur peau. Il n'y a pas de procédé d'identification plus extrême que de se mettre dans la peau de quelqu'un. Et en plus, la victime finissait mangée. Donc on s'incorporait également. Vous voyez que la totale. Donc l'assimilation est recherchée. Je suis mon ennemi est moi. Et puisque l'autre est comme moi, le sacrifier est comme me sacrifier moi-même. Ainsi, le sacrifice humain, le sacrifice de l'autre, apparaît comme un substitut du sacrifice de soi. On a pensé pendant longtemps que c'était le contraire, que c'était le sacrifice humain le plus important. En fait, c'est le sacrifice de soi qui est premier, qui est le plus important. Donc le sacrifice est d'abord et avant tout sacrifice de soi. On a observé que, je vous l'ai signalé il y a quelques minutes, que dans la plupart des cas, l'autosacrifice n'avait pas de destinataire. On a cru longtemps que c'était un sacrifice pour les dieux. Ça arrive, mais ce n'est pas toujours cela. Et en réalité, nous disent les sources, c'est essentiellement les écrits des chroniqueurs espagnols, se sacrifier, c'est d'abord se priver, c'est d'abord s'humilier. La privation l'emporte sur le don. C'est parfois un don, mais il est plus important de se priver que de donner. Alors se priver pourquoi? Mais également là, on a des informations qui sont indiscutables, c'est le concept de dette. C'est-à-dire que l'individu, dès sa naissance, est redevable au Dieu, au cosmos, à l'univers, tout ce que vous voulez, des bienfaits, d'abord du bienfait d'être vivant. Et ensuite, tous les bienfaits qui peuvent lui arriver, il en est redevable. Et en plus, quand il commet l'autosacrifice, c'est pas seulement pour payer sa dette, mais c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il va payer pour les bienfaits reçus et pour les bienfaits à venir. Alors,
C'est très beau, mais il y a quand même, c'est aussi très triste, parce que on se rend compte qu'avec cette philosophie, il faut payer la dette, mais que la dette est finalement inextinguible. Quoi qu'on fasse, on sera toujours redevable. Et c'est cette espèce de course sans fin, n'est-ce pas, dans laquelle ces sociétés étaient entraînées. Alors évidemment, le jour de la mort d'un individu, sa dette personnelle sera éteinte, mais la dette générale restera à charge du reste de l'humanité. Pour finir, quelques mots sur le livre que j'ai écrit sur ce sujet qui s'appelle la douleur rédemptrice. Alors j'ai appelé ça la douleur rédemptrice parce que je trouvais que ça faisait joli. Mais en fait, j'ai un peu regretté ce titre parce qu'il a une partie de faux. Parce que comme je vous dis, elle veut être rédemptrice, mais en dernière analyse, elle ne l'est pas. Alors, j'ai travaillé ce sujet d'abord pour réparer une première injustice qui consistait à passer sous silence un rite fondamental au sens fort du terme. Parce que vous voyez que le fondement de ces religions était véritablement le sacrifice de soi. C'était plus important que l'encensement, c'était plus important que le sacrifice humain, etc. Et la deuxième injustice aussi, que j'ai voulu réparer en faisant ce travail et en publiant ce livre, c'est pour rendre à la douleur la part qui lui est due. Généralement, en effet, quand on parlait de l'autosacrifice jusqu'à présent, on ne voyait que l'épanchement de sang, sans considérer la douleur qui lui était généralement associée. Qu'on se représente se faire passer une cordelette à épines à travers la langue ou à travers le sexe, c'est inimaginable pour nous, surtout que ce n'est pas un supplice qui vous est infligé de l'extérieur, c'est vous-même qui le faites. Et j'ai écrit ce livre aussi pour, quand je me suis convaincu que, enfin, d'abord j'avais une certaine curiosité, et ensuite quand j'ai compris que tout sacrifice était d'abord sacrifice de soi, j'ai trouvé que ça pouvait être important, une importante contribution, si vous voulez, en toute modestie, pour l'histoire des religions ou même un peu la philosophie, et je vous signale à cet effet que dans l'Inde védique, qui n'a pas de sacrifice sanglant, mais qui a de nombreux sacrifices, notamment le sacrifice de nourriture, eh bien, tout sacrifice est interprété comme sacrifice de soi également. Et par exemple, il y a des rites où le pénitent, celui qui offre un sacrifice, d'une nourriture cuite, par exemple, effectue un certain nombre de rites où, symboliquement, il se cuit lui-même. Enfin, j'ai voulu combattre la banalisation de ce rite, qui vient évidemment accompagner d'autres privations, telles que le jeûne, l'éveil ou l'abstinence. Et alors, l'autosacrifice est parti d'un tout que l'on désigne du nom de pénitence et qui paraît banal car on le retrouve dans une infinité de religions, y compris la chrétienne. Rappelons-nous, soyons sérieux, il y a un monde entre la haie et la discipline célébrée dans Tartuffe, et l'autotorture de la langue et du pénis que s'infligeaient les méso-américains. Donc,
Il ne faut pas nous leurrer. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez tiré les conclusions vous-même. Ces sociétés étaient des sociétés très dures, très... qui étaient écrasées par le destin. Le guerrier, dès sa naissance, était promis à une mort bienheureuse sur le champ de bataille ou l'autel des sacrifices. Et la mort était vue comme plus désirable que la victoire, ce qui est assez aussi incroyable pour nous. Quant aux prêtres, ils passaient leur vie à se saigner, parfois très cruellement, sans espoir d'éponger une dette qui s'avérait inextinguible. Et cette situation entretenait une culpabilité permanente, c'est-à-dire on n'en avait jamais fait assez, on n'en fera jamais assez. Et on se demande, en considérant ces sociétés, si on peut parler, comme à l'instar d'individus, de sociétés névrosées. Je vous remercie.